ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب نستأنف دروسنا في هذا الكتاب أو من هذا الكتاب ووصلنا إلى باب جديد ألا وهو ومن أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء نعم هذا باب عظيم إن شاء الله سنمر به باختصار وإجاز إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن مع ذكر النقاط المهمة في هذا الباب أو في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى donc mes frères on reprend les cours إن شاء الله sur lesquels on s'est arrêté nous نو nous rentrons dans un nouveau chapitre qui s'intitule Parmi les signes distinctifs des gens de la sunna, c'est qu'ils sont entre l'exagération et l'éloignement ou la dureté. C'est-à-dire qu'ils sont sur une voie de juste milieu. Là, on verra, on verra que c'est un des signes les plus distinctifs et les plus notoires des gens de la sunna par lequel ils se distinguent des gens de l'innovation. من علامات اصحاب منهاج النبوه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انهم بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط في جميع شانهم Donc il dit Parmi les signes des gens qui se réclament de la voie prophétique, les suiveurs du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qu'ils sont dans une position intermédiaire, dans une position de juste milieu. entre l'exagération, d'une part, et d'autre part, la dureté, ou bien dans l'excès et le laxisme, entre l'excès et le laxisme, et ceci dans l'ensemble de leurs affaires, que ce soit dans leurs affaires religieuses ou que ce soit dans leurs affaires mondaines, comme on va le voir, inshallah ou ta'baraka wa ta'ala. <thesis> من أهم معالم الدين كما قال الله تبارك وتعالى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخدوب عليهم ولا الضالين certes parmi les particularités de l'islam il y a ce qu'on appelle la pondération vous savez ce que signifie la pondération c'est le fait d'équilibrer les choses de pondérer les choses Vous avez une balance avec deux plateaux et un des deux plateaux penche plus que l'autre. Donc pour pondérer, qu'est-ce qu'on va faire On va rajouter du poids sur l'autre plateau de la balance afin qu'elle s'équilibre au final. C'est ce qu'on appelle la pondération. En arabe, on appelle ça el ou wa Donc ici, l'auteur du livre dit certes, parmi les particularités de l'islam, il y a la pondération et la juste mesure. Et la droiture est un des jalons les plus importants de la religion. Allah le Très a dit, « Guise-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. » Donc nous voyons à travers cette sourate, surat al-Fatiha, surat qu'Allah Ta'ala ta nous ordonne de suivre une voie intermédiaire, une voie intermédiaire entre celles, qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont les juifs et tous ceux qui s'apparentent à eux, et d'un autre côté, la voix des chrétiens, des égarés et tous ceux qui s'apparentent à eux. Donc, l'islam est sur une voie de juste milieu entre ces deux extrêmes. Déjà, rien que dans le Fatiha, dans l'ouverture du livre, on a cette notion de al-wasatiyah, de pondération ou de juste milieu. Non. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى اسمعوا جيدا وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قصد السبيل وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة قاله من قاله C'est une parole très importante. Ibn al-Qayyim dit qu'Allah lui Ce chemin droit auquel Allah le Très-Haut nous enjoint de suivre, c'est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, et il constitue le chemin du juste milieu, et tout ce qui sort de ce chemin fait partie des voies inéquitables, quoi qu'en disent les gens. Donc ici, Ibn al-Qayyim met le doigt sur quelque chose de très important, car chaque personne se réclame d'être modéré. D'être sur une voie du juste milieu, d'être loin des extrêmes. Non? Chaque personne prétend ceci. Alors quel est le critère, quelle est la base, quel est le socle ou le critère du jugement qui va nous permettre de savoir qui est sur le juste milieu et qui ne l'est pas? Si vous voyez, par exemple, ceux qui sont laxistes dans leur religion, ils diront des gens de la Sunna qu'ils sont à l'extrême, qu'ils sont trop durs, qu'ils exagèrent. Et si vous demandez à ceux qui exagèrent dans la religion, comme El il Khawarij, ils diront que les gens de la Sunnah sont trop laxistes. Ils sont trop laxistes dans la religion, ils font preuve de tasahul. Alors, quelle est la base sur laquelle on doit juger? Comme ici le, il le dit ici Ibn al-Qayyim, il dit cette base-là, cette voie de juste milieu, c'est la voie sur laquelle était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons. Comme nous l'avons montré à travers ce livre, depuis le début de nos cours. Voilà la voie de juste milieu. C'est la voie sur laquelle était le prophète et les compagnons, ou autrement dit, c'est la voie prophétique. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Si une personne de vient polémiquer avec vous en disant que vous êtes trop dur sur la religion, vous lui dites tout simplement Comment était le prophète Si moi je suis le prophète et tu me dis que je suis trop dur. C'est comme, si comme si tu disais que le prophète était trop dur dans sa religion. Et à l'opposé, si des personnes critiquent les gens de la sunna comme étant trop laxistes, alors c'est comme si indirectement ils disaient que le prophète était trop laxiste par rapport à ses faits et, et gestes et ses paroles vis-à-vis -vis de la religion d'Allah. Vous avez compris Non. Donc voilà la base, voilà la référence. C'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus loin, l'auteur dit, c'est ce que je disais à l'instant, la balance est le critère par lequel la droiture sur la voie droite est reconnue en tant que telle ou non, et la voie sur laquelle était l'envoyé d'Allah, le sallam ainsi que ses compagnons.

les gens de la sunna sont sur une voie de juste milieu entre les sectes ça on va l'expliquer, c'est très important les gens de la sunna lorsqu'on voit leur voie qu'ils suivent le chemin qu'ils empruntent on voit qu'ils sont sur une voie médiane par rapport à toutes les sectes de l'islam il en est de même de la religion de l'islam. De manière générale, elle se trouve sur une position intermédiaire et médiane entre toutes les autres religions. Je répète la parole. Il dit, le allif, les gens de la sunna sont sur une voie de juste milieu entre les sectes. Comme la nation de l'islam est sur une voie de juste milieu entre les religions. Et Satan, shaytan ne peut les toucher par de l'exagération ou de la défaillance. C'est-à-dire les gens de la sunna. Quant aux autres, ils sont impliqués dans une de ces deux choses à plus ou moins grande échelle. On verra que les gens qui ont adopté des voies extrêmes à plus ou moins grande échelle n'ont été touchés au fait que par Shaytan. Et c'est une ruse de Shaytan. Et on verra que Shaytan utilise ces deux voies-là, c'est-à-dire pousser la personne dans l'exagération ou alors dans, dans le laxisme, au contraire. Et peu importe pour lui. Au final, Chétan, son, son but ultime, c'est d'égarer la, la personne de la, de la voie droite. Qu'il l'égare dans l'exagération ou dans le laxisme, peu importe. Pourvu qu'il atteigne ses objectifs et qu'il arrive à ses fins. « Isma'u ma'aza qala al-imam al-awza'i »« wa ta'ala Min a'immati al-kibar »« Min a'immati al-muslimin min ahli sunnati wal-jama' »« Yaqulu <Quité> hadha al-imam »« Ma min amrin amara Allah ta'ala bihi » L'imam al qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a pas un ordre qui a été ordonné par Allah le Très-Haut, sans que le shaitan ne s'y oppose par deux choses. Peu lui importe laquelle de ces deux choses atteindra son objectif, l'exagération et la deuxième, la négligence. Ça, c'est la parole de l'imam al-Awza'i. vous voyez bien que les salafs, déjà, ils avaient très bien compris ce principe de l'wasatiya, ce principe de, de juste milieu, et les dangers de toute personne qui s'y écarte. L'imam al-Awza'i, je vous le rappelle, c'est un contemporain de l'imam al-Shafi'i. Et je vais vous le traduire petit à petit ce hadith. D'après Abdallah ibn Mas'ud, qui a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a tracé une ligne par terre avec son doigt sur le sable. Le prophète, après avoir tracé cette ligne droite, il l'a montré du doigt, il l'a pointé du doigt, il a dit, voici la voie d'Allah. صراط مستقيم نعم يوصلكم إلى الجنة ألف من مو برادي ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه إذن ابن مسعود puis بعد أن tracé cette ligne droite Le prophète a tracé de part et d'autre de ce trait ou de cette ligne plusieurs traits, à sa droite et à sa gauche. Et il a dit en les pointant du doigt Voici les voies d'égarement, les voies d'égarement qui viennent se séparer de la voie droite. Et à chacune de ces voies-là, il y a un démon qui appelle à elle. Nous avions déjà évoqué ce hadith nous avions dit que. Il y a plusieurs voies d'égarement, mais il n'y a qu'une seule voie de la vérité. « El wa la La vérité, elle ne se multiplie pas. Elle ne se fractionne pas. La vérité est une. C'est la voie que nous a tracée le prophète sallallahu Et ce hadith-là, on est une preuve. Par contre, les voies d'égarement, elles sont multiples. Elles sont multiples et nombreuses. La voie des passions, la voie des ambiguïtés religieuses, la voie des innovations, etc., etc., etc. Donc, le prophète a dit, à chacune de ces voies d'égarement, il y a un démon qui appelle. Et dans une autre version du hadith, chaque démon dit, « Ya Abdullah, ta'ala, ya Abdullah, ta'ala, oh, oh, serviteur d'Allah, viens vers moi. » Viens vers moi, il te pousse à suivre cette voie d'égarement. Le prophète a lu, après avoir fait ceci, a lu le verset coranique suivant. <t 'enfin> Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset coranique où Allah dit et ceci est mon chemin dans toute sa rectitude suivez-le donc et ne suivez pas les voies qui vous écarteront de son chemin ce hadith bien sûr c'est un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Ahmad wad-Darimi et Ibn Abi Asim et Ibn Hibban et غيرهم وغيرهم hadith sahih طيب والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيريه التي بين طرفي التفريط والافراط ça aussi c'est très important à comprendre. L'auteur du livre nous dit, à la suite de ce verset, à la suite de ce hadith, il dit le chemin droit, intrinsèquement, il renferme le sens de quoi De l'heiriya, c'est-à-dire la suprématie et la faveur qu'a cette voie-là sur toutes les autres. Al-Fadlu ou al-Khaïr. al khayriya ou al-Fadlu. Al-Asa subul et cette voie-là, elle se situe entre ces deux extrêmes, qui sont l'exagération, d'une part, et de l'autre, et d'autre part, le laxisme et la négligence, ou la nonchalance, comme on va le voir. Vous avez compris ça? Donc, cette voie droite-là, c'est la meilleure des voies qu'Allah nous a tracées. C'est ainsi que nous avons fait de votre communauté une communauté de juste milieu. Donc si Allah a fait de cette communauté une communauté de juste milieu, c'est une preuve claire et nette que c'est la meilleure. Non, car Allah veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Ibn qayyim nous dit qu'Allah fasse miséricorde. La réalité en ce qui concerne la haute considération à adopter envers les ordres et les interdits réside dans le fait de ne pas les opposer. À quoi À une facilité laxiste et non plus par une exagération exacerbée. Ce qui est voulu, c'est le chemin droit qui mène vers Allah en cheminant dessus. Donc, lorsqu'un ordre religieux vient de la part d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un interdit religieux de la part d'Allah ou du prophète, il ne faut pas faire preuve ni de laxisme par rapport à ceci, ni d'exagération. Nam, les frères? Mais ce qui est voulu, comme le dit Ibn al-Qayyim, c'est de cheminer sur la voie du prophète qui est la voie de la modération, de la pondération et du juste milieu. Allah le Très-Haut n'a pas ordonné une chose sans que Satan s'y oppose par deux insinuations. Un nazra en arabe, c'est des mauvaises suggestions ou des mauvaises insinuations. Que Chétan nous insuffle à l'oreille. C'est ça le nazra en arabe. Donc Allah n'a pas ordonné une chose. Sans que Chétan s'y oppose par deux insinuations. Il viendra vers le serviteur. En lui disant deux choses. Ou bien il va le pousser à un manquement. Et à un laxisme et une négligence par rapport à cet ordre divin. Ou bien il va le pousser à l'exagération à l'outrepassement, à l'excès, au dépassement de la limite qui a été légiférée et instaurée par Allah. Dans les deux cas, c'est blâmable. Non. Que tu sois dans cet extrême-là ou dans l'autre extrême, c'est blâmable. Et les deux, ces deux choses-là, sont appelées dans la religion at-tatarouf. at, -tatarouf. at -tatarouf, ça veut dire l'extrémisme. Que ça soit dans la négligence. Ou que ce soit dans l'exagération, les deux sont appelés extrémisme. Pourquoi Parce que tu es sur les extrêmes, tout simplement. Et qu'on t'a demandé d'être sur la voie de juste milieu, la voie médiane ou la voie intermédiaire. Donc, Chétan viendra à toi avec ces deux mauvaises insinuations. Il va te pousser à ça ou il va te pousser à ça. Et Chétan, avant d'aller vers le serviteur, il va flairer les cœurs des serviteurs. Il va voir... Est-ce que le cœur de cette personne est plus propice à la négligence ou alors est-ce qu'il est plus propice à l'exagération Et il va l'attaquer par ce biais-là. Il va le travailler et il va l'emmener là où il pense qu'il va chuter, d'une chute qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus notoire. Donc il dit l'auteur il dit, il va venir avec lui avec ses deux insinuations mauvaises, un manquement et un laxisme, ou bien une exagération, et un excès. Et peu importe, peu lui importe par laquelle de ces deux choses il aura le dessus sur le serviteur, peu importe par laquelle il aura le dessus sur lui, au final, c'est tant qu'est-ce qu'il souhaite L'égarement de cette personne. Que tu t'égares dans l'exagération, ou que tu t'égares dans le laxisme, peu lui importe, tu es sorti de la voie droite. Donc s'il va essayer la première méthode, s'il voit que ça ne marche pas, il essaiera la deuxième.

Mais le prendre comme un vrai ennemi et ça veut dire quoi Ça implique quoi, ça mes frères Prendre quelqu'un comme un vrai ennemi, c'est connaître ses ruses afin de les éviter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir vers le cœur de la personne, il va sonder son cœur, il va flairer son cœur. Il Fayushamu, il va flairer le cœur de la personne. Est-ce que cette personne-là, est enclin à la négligence? Enclin à la négligence, pardon. Ou plutôt, elle est enclin à, à l'activisme, aux efforts. Donc, il va tâter un petit peu le terrain. Thumma يقول فإن wajada فيه taksira, ou futura, ou tawania, wa أخذه من min الخطة si il voit en lui, si il trouve des manquements en lui, une nonchalance, une négligence par rapport à ses actes religieux, par rapport à sa religion, un abattement, il viendra à lui par ce biais là, par le biais de la négligence. Il lui dira quoi? Reste tranquille. La religion c'est une facilité. Allah a rendu la religion facile. Regarde les, les ceux qui sont dans l'égarement. Toi tu n'es pas comme ça. Et il viendra aussi avec d'autres chubouhat en disant Regarde, Allah a pardonné une personne le jour du jugement qui a seulement dit la ilaha Allah. Pourquoi tu vas te casser la tête à faire toutes sortes d'actes d'adoration? Alors qu'Allah, alors que tu es mouahid tu es sans tawhid Il viendra comme ça. Et au final, la personne, elle va croire en ce que lui insuffle le shaitan. Et elle va dire, c'est vrai, je ne suis pas dans une situation si mauvaise que ça. J'ai encore un espoir d'être sauvé. Je suis mouahid je ne fais pas de shirk. Inch'Allah, Allah, il va me pardonner. Même si j'ai des manquements, Allah me pardonnera. Et il, il est rentré dans la porte que Chétan lui a ouverte. Et ça va aller de pire en pire s'il se laisse aller dans cette voie-là. Donc, il le découragera. Chétan, il va le décourager. Il le, il le motivera à rien faire. Il le frappera par la fainéantise, la nonchalance et la négligence. Et il lui ouvrira la porte de toutes les mauvaises interprétations qui viendra justifier ces négligences de l'espoir et d'autres choses de ce genre là non, il espérera en Allah d'accord alors que Hassan el-Basri a dit ou Hassan el-Basri a dit la foi elle n'est pas caractérisée par des souhaits que tu souhaites oh, je souhaite aller au paradis je, souhaiterais, je souhaite avoir ceci et cela, je souhaite qu'Allah me fasse miséricorde, et puis qu'à côté tu ne fasses rien. La foi, ce n'est pas des souhaits, Walay Sabit Tahali non plus, ce n'est pas une parure que tu montres aux gens. Mais la foi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est ancré dans ton cœur et que tes actes viennent justifier et prouver. C'est ça la foi, mes frères. C'est une croyance dans le cœur et qui est prouvée, qui est justifiée, qui est affirmée par tes actes. Donc au final, il va lui embellir toutes choses et il va le dissuader d'agir. Jusqu'à ce que le serviteur délaisse ses obligations religieuses en globalité, comme on l'a déjà vu. Comme c'est quelque chose qui est connu. Donc il l'a attaqué par son poids faible. « Wa 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 je vais déjà vous traduire ceci. Par contre, s'il trouve en lui de la méfiance, de l'activisme, de la volonté, ainsi qu'un réveil, un nahda, c'est quelqu'un qui est alerte, qui est toujours prêt à faire les choses pour Allah, il est motivé. Et que, au final, Shaitan désespère de l'égarer par la porte de la négligence, mais du laxisme. Il voit que, par ce biais-là, il n'aura aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui ordonnera de faire plus d'efforts que ce qui est demandé. Et il, lui insinu, il va lui insinuer que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Non, mes frères. Il lui dit, en gros, tu veux agir Tu veux faire Tu veux plaire à Allah Fais encore plus que les autres. Il va essayer au final de lui faire dépasser les limites qu'Allah lui a instaurées. Pour qu'il sorte de la voie du juste milieu et de la pondération. Non. Regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, au final, ce que tu es en train de faire, c'est pas suffisant. Tous tes actes d'arrassement que tu fais, c'est pas suffisant. Faut que tu rajoutes. Ta volonté, elle est au-dessus de ça. Ce que tu fais, c'est pas suffisant. Tu dois faire plus. Ton souci pour la religion, il est au-dessus de ça. Regardez comment il lui a embelli les choses, comme il a trompé notre, notre père Adam, en lui disant et sais tu pourquoi Allah t'a interdit de manger de cet arbre? car si tu manges de cet arbre, tu auras la vie éternelle et tu auras un royaume immense. Il ne lui a pas dit mange Il lui a embelli la chose jusqu'au final, Adam a été trompé par son insinuation. C'est la même chose ici. Il viendra par toutes sortes de belles paroles qui vont faire en sorte que tu vas être motivé à faire encore plus. Il est en train de le gonfler. Une personne comme toi, il convient qu'elle fasse plus que les autres. Et lorsqu'il dorme, toi tu ne dors pas, tu ne dois pas dormir. Voilà. Taftera isa aftaru et eux quand ils rompent le jeûne toi tu ne dois pas le rompre Alors, regardez bien wa allah taftura isa fataru. et eux quand ils sont enclins à la paresse dans leurs actes d'adoration toi tu ne dois pas être comme ça wa isha rasala ahadu hum wa wajhahu thala samarat fasi antasabha Lorsque l'un d'entre eux lave ses mains et son visage trois fois... Pour faire les ablutions... Toi, tu les laves sept fois. Il ne t'en tiens pas trois fois, mais sept fois. Et lorsque eux, ils font les ablutions pour la prière... Toi, tu fais un bain rituel. Les ablutions majeures. Et toutes sortes de choses qui font partie de l'exagération et de l'outrepassement ou de l'excès. Donc, il pousse cette personne à l'exagération ainsi qu'au dépassement et à l'outrance par rapport à la voie droite. Comme il a poussé la première catégorie, à la négligence par rapport à cette voie-là, et afin qu'il ne s'en rapproche pas. Que ce soit de cette façon-là ou de l'autre façon, on tombe dans un extrême qui est blâmable, réprouvable et interdit au regard des textes religieux. Quelles sont les preuves de ceci dans le Coran Quelles sont les preuves qui nous prouvent ou qui nous montrent que l'exagération ou la négligence sont des choses blâmables et que la voie du juste milieu... Et la voie qu'Allah a agréée pour nous. D'accord. Il dit, Oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Rire al Haq, s'opposant à la vérité. Naam. Effectivement, les chrétiens ont exagéré dans leur religion, notamment concernant le prophète qu'ils suivaient, c'est-à-dire Isa ibn Maryam. Non. Ils ont exagéré en la personne de Isa ibn Maryam jusqu'à ce qu'ils l'ont divinisé. Ils l'ont pris comme une divinité adorée en dehors d'Allah. Certes, on m'écrut ceux qui ont dit. Allah est le Messie fils de Maryam. Et dans un, dans un autre verset, c'est le verset suivant, Allah il dit "La callu inna Certes, on mécrut ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Donc ces chrétiens, ils en sont venus à diviniser Isa ben Maryam. Ils ont exagéré en la personne du prophète Isa ben Maryam, alayhi salam. Hein, donc, Allah leur dit N'exagérez pas dans votre religion en s'opposant à la vérité. Pareil, parmi les preuves qui nous prouvent qu'Allah agrée le juste milieu, pas seulement dans la religion, mais aussi dans les affaires mondaines Allah dit. Implorez votre Seigneur en toute humilité et secrètement. Certes, il n'aime pas ceux qui outrepassent les limites de sa législation. <rit> Parmi les règles de bienséance dans les invocations, il y a le fait de s'en tenir aux invocations du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'invoquer Allah comme le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam, en levant les mains, tous les comportements adoptés euh, s'appliquant aux invocations. Il y a aussi le fait de, de ne pas demander des choses qui sont impossibles. Non, on, de, on ne demande pas à Allah, par exemple, de devenir prophète. Ou de demander à Allah qu'il lui fasse connaître l'invisible. D'accord Ça, ça fait partie des ta'addis. Ça fait partie de l'outrepassement ou l'exagération dans la doa, donc Allah il nous dit il nous met en garde ici, en nous disant même dans les doa, faites preuve d'humilité et faites doa en secret, entre vous et Allah, tabaraka wa et n'outrepassez pas les limites les frères wa jalla rabbaka fi nafsika et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix. À mi-voix, ni trop haut, ni trop bas. Mais une voix de juste milieu. En début de journée et en sa fin, ici en début de journée, c'est le temps entre Salat al-Fajr et Shuruq. Nam. Et en fin de journée entre l'Asr et le Maghrib. On va y revenir, Inch'Allah, à la fin du Dars. Ce sont les meilleurs moments pour invoquer Allah. Wa et ne sois pas du nombre des insouciants. Non. Il fait partie de la négligence ou de l'insouciance, justement, de ne pas se conformer à ces règles de bienséance lorsqu'on invoque Allah. Wa ta non. Donc ne pas dépasser, ne pas faire preuve non plus de. D'insouciance et de négligence... Et dans ta prière... Ne récite pas à voix haute... Et ne baisse pas non plus trop le ton... Mais recherche le juste milieu... Dans la récitation de la prière... Ne pas lire à voix haute... Afin que tout le monde t'entende... Et que tu puisses déranger les personnes autour de toi et ne pas aussi lire dans sa barbe, comme on dit. Mais, avec une voix, une voix intermédiaire, médiane, ceci, bien sûr, est plus propice pour l'humilité et la dévotion euh, dans ta récitation. Et enfin, En parlant des prophètes de, de la famille de Zachariah ou Yahya, et les autres, Allah dit sur eux, ils s'empressaient de faire le bien et ils nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. L'amour est à l'opposé, la crainte. Ne pas faire prévaloir un sur l'autre. Ne pas invoquer Allah que par amour en fermant les yeux sur le châtiment d'Allah. Et ne pas invoquer Allah que par crainte en oubliant la miséricorde d'Allah. Mais il faut joindre les deux et avoir une position médiane. Donc vous voyez tous ces versets, mes frères, ils prouvent quoi Ils prouvent que le musulman, dans toutes choses, que ce soit les choses de sa religion, les choses mondaines, il doit toujours avoir une position intermédiaire. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Un peu plus loin dans le livre, l'exagération, elle est de deux sortes. Donc c'est la page 351 en haut du livre. Il dit la première catégorie, elle va le faire sortir de son statut de personne obéissante ou dans la légitimité, comme le fait qu'il a rajouté une unité de prière au lieu de prier quatre rakaat pour il a prié cinq. Il a voulu faire bien. Allah, Shaitan lui a embelli ses actions. Il lui a dit rajoute des rakats. Tu auras plus de récompenses. Il en a fait cinq. Dès qu'il a fait cinq prières. En voulant se rapprocher d'Allah par ceci. Il est sorti du statut de personne obéissante. Non? Car la personne qui est obéissante. C'est celle qui s'en tient à ce qu'Allah lui a légiféré. Ni plus ni moins. Non? Je vous rappelle. Hein, il me vient en tête un récit qui a eu lieu à l'époque de l'imam Malik. Un homme est venu questionner l'imam Malik, tabaraka ta'ala, qui était à Médine. il lui a demandé, que penses-tu si je fais, si je me mets en état de sacralisation auprès de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. lahou l'imam, la taf'al, ne le fais pas. Bal ahrim, inda, el miqat mais mets-toi en état de sacralisation à la station qu'est ce qu'il a, a dit il a dit il a dit la différence c'est quoi c'est quelques kilomètres en plus est-ce qu'Allah Allah il va me châtier pour ça regardez comment il polémique les gens qui ont, qui ont un cœur voué à l'égarement à vous savez ce qu'il lui a dit de Malik? Allah te châtira pas par le fait que tu as rajouté des kilomètres mais Allah te châtira par le fait que tu as contredit la sunna du prophète sallallahu ils ont compris les textes religieux par la bonne compréhension donc, ce n'est pas parce que tu rajoutes que c'est forcément bien, que c'est forcément agréé auprès d'Allah. Il faut toujours regarder est-ce que l'acte est en conformité avec la législation d'Allah. Donc, la première sorte d'exagération, c'est celle-là. il va y faire en sorte qu'il sorte de l'obéissance d'Allah en lui faisant faire des choses en plus, d'accord, qui ne sont pas légiférées. Quand par exemple, qu'il a rajouté une unité de prière, ou bien qu'il jeûne tout le temps. Même les jours où il est interdit de jeûner. Non, il y a des jours où c'est interdit de jeûner. Comme, Yom el eid On ne jeûne pas Yom el eid Le prophète a interdit Yom el eid de jeûner. De même, Ayam et tashriq les trois jours après l'Eid. Allah, il a interdit de jeûner. Ayam Un-Akhlin Washurm, comme il a dit, alayhi wa sallam. C'est des jours où on mange et on boit. Donc, on ne jeûne pas ces jours-là. Spécifier le, le samedi comme un jeûne. Sur rérogatoire, c'est interdit de jeûner ce jour-là. Naam les frères. Donc il y a des jours, c'est interdit de jeûner. Lui, il dit non, je jeûne. Je jeûne ces jours là pour me rapprocher d'Allah. Qu'est-ce qu'il vient de faire Il vient de contredire la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sorti de l'obéissance d'Allah. Naam les frères Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Il sort du statut de serviteur obéissant. La deuxième, une autre sorte qui fera qu'on ait peur qu'il arrête son adoration religieuse hein, et qu'il s'en lasse. Il va faire beaucoup d'actes, il va faire beaucoup d'actes, mais au final, on a peur pour lui qu'il s'en lasse. Comme le fait de se lever pour prier la nuit, par exemple. Chétal, il va dire "Prie, lève-toi, lève-toi, lève-toi la nuit, fais, fais, fais. Au final, ça va lui paraître difficile. Tout le temps comme ça, et il va délaisser. D'un coup. Au lieu de faire ça progressivement, de d'habituer. Son nef, son âme, à faire ça progressivement. Ne fais pas d'un coup comme ça. Tous les jours. Fais une fois par mois, puis deux fois par mois, puis une fois toutes les semaines, puis deux fois toutes les semaines, etc. Prends un rythme régulier. Jusqu'à ce que Allah te donne la capacité de pouvoir augmenter. Progressivement. Mais Shaitan lui dit non, fais tout de suite. Jusqu'à ce qu'au final, on a peur qu'il délaisse. La, âme. Et la chute va être terrible. Donc, il dit, comme le fait de se lever pour prier toute la nuit, ou bien jeûner tout le temps en dehors des jours interdits. Donc lui, il ne jeûne pas les jours qui sont interdits, mais il jeûne toute l'année, mis à part les jours interdits. Lui aussi, on a peur qu'il délaisse ce qu'il est en train de faire. Non, et ça, c'est préjudiciable, bien sûr. Vous avez compris ça, les frères C'est deux sortes d'exagération, donc il faut faire attention. Il y en a une qui ne fait pas sortir de, de son statut de, de quelqu'un d'obéissant, mais on a peur pour lui. Et il y a l'autre qui a dépassé. نعم شيطاني الله عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفيه السمحه. وهذا حديث حسن اخرجه احمد والبخاري في ادب المفرد واحمد في المسند. دوك ابن عباس Qu'elle lui et son père, qui a dit on questionna l'envoyé d'Allah et on lui dit quelle est la religion préférée d'Allah Et il répondit El Hanifi Samha. En fait, il a dit la religion préférée d'Allah, El Hanifi Samha. Il faut comprendre très par religion la façon dont tu vas adorer Allah. Et bien sûr, ceci est un hadith bon, Hassan. Qui a été rapporté par Ahmed et qui a été rapporté par l'imam al bukhari dans Adab al-Mufrad. Ce hadith-là, il est clair, il montre clairement que Allah Ta'ala ta a légiféré la juste mesure et la pondération dans toutes choses. Pourquoi El Hanifiyya, brièvement, ça veut dire quoi el Hanifiyya al Hanifiyya, c'est la voie et la religion sur laquelle était Ibrahim. Non? Inna Ibrahim kana umma tan lillahi hanifan. Walla min al Mushrikin shakiran li al Hanifan, Hanif, c'est quoi le Hanif? Ça vient de l'hanaf, el Hanaf ou el mail El Hanaf, c'est la déviation, al ou le penchant. C'est quelque chose. El Hanif, c'est la personne qui va être droite sur la religion d'Allah, c'est-à-dire que son cœur va pencher vers Allah ta'ala sur Tawhid et en même temps il va s'écarter du shirk d'accord il regroupe ces deux sens là donc la religion Hanifiya, la religion d'islam elle est comme ça nous l'avions déjà vu à maintes entreprise le tawhid, mes frères c'est une affirmation et une négation l'affirmation de l'adoration d'Allah s'allier avec lui et s'allier avec les alliés d'Allah ta'ala. Ta que ton cœur il soit vers Allah vers la religion d'Allah qu'il s'allie avec les alliés d'allah. Et en même temps, c'est un désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, un désaveu des mouchrikines, des associateurs de leurs actes d'associationnisme et de polythéisme et de tous ceux qui s'allient avec eux. Donc el cette religion elle se caractérise par ça, c'est l'islam. C'est la seule religion qui a ces caractéristiques. L'alliance est là et l'alliance avec Allah, avec les croyants, avec le tauhid, et le désaveu de tout ce qui vient s'y opposer. Ça, c'est le hanifiyya. Al-samha, ça vient du terme Al-samaha. Al-samaha, Al-suhulatu wal yusur yusr Al-suhulatu wal al-yusr. Al-samaha, ça veut dire la facilité dans toutes choses. Le prophète nous dit quoi La religion préférée d'Allah, ou la façon d'adorer Allah, c'est quoi C'est justement d'être droit sur sa voie. Et d'être écarté de tout ce qui s'y oppose, le shirk, les polythéistes et tous ceux qui s'allient avec eux. Et enfin, la facilité. La religion est simple, mes frères. Allah veut pour vous la facilité et il, veut pour, il ne veut pas pour vous la difficulté. Mais mes frères, Comment reconnaît-on qu'une chose est facile ou est difficile Est-ce que, est, est -ce que est, cette chose ou ce jugement doit être porté selon les raisons des êtres humains Selon les avis d'un tel et un tel Ou alors c'est par rapport à ce qu'Allah a rendu facile, est-ce qu'il a rendu difficile C'est par rapport aux critères divins et prophétiques. Non, ce qu'Allah a dit, ce qu'Allah a déclaré comme étant facile, c'est facile. Ce qu'Allah a déclaré comme étant difficile c'est difficile. Même si une chose qu'Allah a rendue facile, les gens la trouvent difficile. Qui est dans l'erreur C'est les gens ou c'est Allah qui s'est trompé C'est les gens qui se trompent. Donc, une chose est facile dès lors qu'Allah dit qu'elle est facile. Et une chose est difficile dès lors qu'Allah dit qu'elle est difficile ou qu'il la déclare difficile. Donc, Allah, quand il nous a légiféré cinq prières par jour, ou le mois du ramadan, ou le pèlerinage, ou le jihad fisabilillah, les gens trouvent ça difficile. Mais est-ce que c'est difficile au final Non, c'est facile. Pourquoi Car si c'était difficile, Allah ne nous l'aurait pas légiféré. Vous avez compris, les frères Non. Allah dit, Tabaraka wa Ta'ala, Allah ne surcharge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Si Allah nous a ordonné prescrit des lois religieuses, il sait que c'est en notre capacité de les accomplir et de les faire. Et si Allah nous a interdit des choses, c'est qu'Allah sait pertinemment, de par sa science parfaite, qu'on est capable de les éviter. N'aimez mes frères Donc, il faut bien avoir cette référence là qui est la référence divine et prophétique. Non. Donc, هذا الحديث يثبت بوضوح أن الدين سهل نعم السمحة والسمحه من السماحه اي السهوله واليسر نعم الاخوه فهمت دونك قال اذا استصعب شخص او رجل امرا ماذا يقول يقول اللهم لا سهله الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سهلا Lorsqu'une personne, elle trouve une chose difficile, vous trouvez cette doa dans Hissnul Muslim, dans la citadelle du musulman. Lorsqu'une personne, elle trouve une chose difficile, c'est possible. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit avoir le réflexe de demander à Allah qu'il l'aide. Il y a qu'un abodou, ou il y a qu'un nastain. C'est toi qu'on adore et c'est toi dont on implore l'aide pour nos actes d'adoration quotidien. Donc, qu'est-ce qu'il dit, cette personne? Il dit, oh Seigneur, il n'y a pas une chose facile que celle que tu as rendue facile. Et tu mets certes la difficulté dans une chose lorsque tu souhaites la facilité au final. Lorsqu'Allah, il veut, il veut rendre une chose facile, il la fait précéder par une difficulté. « Innama al-usri yusra innama al-usri yusra wal-usra la-taribu yusra'in » Comme dit Ibn Abbas, « La difficulté ne vaincra jamais deux facilités. » Vous reviendrez, reviendrez au verset coranique et la réitération de ce verset coranique pour comprendre ce que je viens de dire et pour comprendre la parole de B'na Abbas. Non. La difficulté a été, a été citée une seule fois. Pourquoi Parce qu'elle est précédée par alif iwallam, ta'rif. Elle est définie. Al-usra. Amma al il est indéfini. Non. Et il a été cité deux fois. Donc il y a deux facilités pour une difficulté. Donc au final. On est gagnant dans tout, dans tous les sens. Et Allah, quand il veut la faciliter pour nous, il la fait toujours précéder par une difficulté. Donc, ne soyez jamais enclin à ce qu'on appelle le tawani c'est-à-dire à la nonchalance, à la lassitude. Au contraire, si vous voyez une chose qui est difficile, sachez qu'Allah veut d'ailleurs pour vous la faciliter. Et faites cette doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al hazla sahla. Lorsque tu veux la facilité, tu la fais précéder par une petite difficulté, c'est pas une grande, c'est une petite, qui est surmontable, inshallah ou wa Vous avez compris les frères? Un peu plus loin dans le livre, quelque chose qui est très important nous avions dit au début du cours que l'islam est une religion de juste milieu parmi les autres religions, de même que les gens de la sunna, la voix des gens de la sunna sont une voie de juste milieu parmi les sectes. On va expliquer ceci en résumé. Taïm. Yaqouno al-mu'allif. Awwalan. Al-islamu wasatun fil anbiya. L'islam est une voix de juste milieu concernant les prophètes, d'une manière générale. Baina men gala fihim kal nasara. Wa baina men jafahum kal yahoud. Bain amanu bichim kullihim ala wajh illa إqi bizalika. Donc c'est la page 357. En haut de la page. Hein? Donc il dit la, la religion d'islam, c'est une voie de juste milieu concernant les prophètes. On n'est pas dans l'exagération, comme l'ont fait les chrétiens, ni dans la négligence et le détournement et la, et la dureté et la rudesse, comme les juifs. Effectivement, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, les chrétiens ont exagéré concernant les prophètes. Ils ont divinisé le malien alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, « al Ne m'élevez pas au-dessus de ma position, au-dessus de mon statut, comme les chrétiens ont élevé Issa ibn Maryam, jusqu'à le diviniser. Mais je, suis, je ne suis qu'un serviteur. Dites Abdullah wa rasoolu. dites serviteur d'Allah et envoyé d'Allah. Ne dépassez pas cette limite. Pourquoi le prophète a dit ça Si on revient au contexte du hadith, des gens commençaient à dire le prophète est le fils d'Allah. Mohammed est le fils d'Allah. Ils commençaient à dire ça. Non Ceux qui n'avaient pas encore la foi ancrée dans le cœur. Donc le prophète a fermé la porte directement et a dit ne faites pas ne dites pas des choses comparables à ceux qu'ont dit les chrétiens et qui se sont égarés avant vous. Non Donc les chrétiens, ils ont exagéré. fil fil Ils ont fait preuve de dureté, de rudesse envers eux. Regardez comment les bani Israël. étaient durs envers Moussa. Ils étaient durs envers lui. Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant ces gens-là. Et pourquoi avez-vous alors tué les prophètes avant? Si vraiment vous êtes croyants. Ils ont tué certains des prophètes. Ils ont été à l'opposé. Amma les gens de la sunna et des musulmans du en Général. Alhamdulillah. On respecte les prophètes, on les met au rang qui est le leur. On leur doit écoute et obéissance. Ils ont un degré que les gens n'ont pas. Ils ont reçu la révélation, ils ont été choisis par Allah. Mais on n'est pas là à les diminuer non plus et les mettre à un degré qui n'est pas le leur. Donc, l'Islam a une voie intermédiaire concernant les prophètes. Concernant aussi la législation. La yahoud wa on n'est pas aussi dans la dureté et les carcans et les difficultés des juifs lorsqu'ils appliquent leurs leur lois religieuses. La religion, elle est dure. Et ça, c'est une punition d'Allah. Pourquoi Car ils ont été durs envers leurs prophètes. Allah les a châtiés en leur rendant la religion difficile. Non plus dans le laxisme dont font preuve les chrétiens qui se permettent toutes sortes de choses, qui font du haram et qui disent au final, mais de toute façon, il y a la rédemption, nos péchés sont pardonnés par le sang du Christ. Et ils font la fornication, et ils volent, et ils chantent, et ils sont dans toutes sortes de choses préjudiciables et immorales. Mais pour eux, c'est pas grave, puisque le Christ est mort pour nos péchés c'est un laxisme flagrant et probant, notoire. Les gens d'islam, les musulmans, ils sont sur une voie de juste milieu. Il n'y a pas de difficulté notoire dans la religion d'islam, mais aussi Allah, à contrario et à l'opposé, nous demande de faire preuve d'un certain euh, respect par rapport aux règles religieuses, d'un certain suivi, l'application des lois religieuses. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir révélé des lois religieuses si, au final, le simple fait de dire je suis croyant, euh, ça me fera, ça me donne une garantie et un passeport pour le paradis? Quel est alors l'intérêt d'avoir légiféré toutes sortes de lois? Justement, toutes ces lois religieuses, elles viennent parfaire la foi du croyant. Hein Donc, elles sont très importantes. Ils sont aussi, les gens de l'islam, dans une position intermédiaire concernant la, purifica la purification rituelle. Et concernant les nourritures, non, non pas comme les juifs, qui eux, leur prière n'est valide que dans leur synagogue et leur temple. Ils n'ont pas le droit de prier dehors, ni dans les mosquées, ni dans les églises, ni dans les lieux publics. Et à l'opposé, les musulmans, eux, Allah leur a facilité la prière dans tous les endroits. À condition que l'endroit n'a pas de najasat, n'a pas d'impureté et de souillure. Les chrétiens, eux, prient dans des endroits même impurs. Peu importe. Ils ne prêtent aucune attention à la pureté rituelle lorsqu'ils vont dans leurs églises ou lorsqu'ils font leurs actes d'adoration. Ah, mais les musulmans, alhamdulillah, ils sont dans une voie intermédiaire. Taï. Kazalika, wa al Les gens de la sunna concernant maintenant les noms et les attributs divins. Là on parle des gens de la sunna Ils sont dans une position médiane concernant les noms et les attributs divins. Non pas comme ceux qui ont renié les attributs divins, comme El mutazila ou Al Jahmiya qui ont renié certaines sifat en disant que Allah n'a pas tous ces attributs par lesquels il s'est défini dans le Coran ou à travers la Sunnah. Regardez ce que disent la secte des Mu'tazila. Ils disent que Allah est le clairvoyant qui n'a pas de clairvoyance. Allah est le savant qui n'a pas de science. Allah est celui qui est capable, mais sans être capable. « Yuthbituna al-asma'a sifat » إن الله عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وبصير بلا بصر وحليم بلا حلم ورحمن ورحيم بلا رحمة وغفور وغفار بلا مغفرة إلى غير ذلك من الخزعبلات نعم يقولون هذه الأشياء الجهمية يغني الناس والأشياء C'est comme s'ils adoraient le néant. ils acceptent certains attributs, ils en rejettent d'autres. Tout cela, ils font partie de la famille des Mu'attila. Des négationnistes. Ça, c'est un extrême. De l'autre côté, on a ceux qui ont été assimilés à Allah, à ses créatures. al Ils disent que Allah ressemble à ses créatures. Naam. En tout point ou dans certains aspects, ou alors ils assimilent certains actes d'Allah aux actes des créatures. Mais les gens de la Sunna par la grâce d'Allah sont sur une position médiane. Naam, on affirme les noms et les attributs d'Allah comme ils ont été rapportés dans le qur'an ou à travers la Sunna, sans en altérer le sens, sans les renier, sans non plus assimiler les attributs d'Allah à ces créatures et sans non plus chercher le comment. Ou, ou définir un comment. Nah? Et on n'est pas là non plus à assimiler Allah à Allah ces créatures. Donc vous voyez qu'on est dans une position médiane concernant les noms et les attributs d'Allah. De même, on est dans une position médiane concernant le destin entre la secte d'Al-Jabriya ou Al-Qadariya. Al-Jabriya, qu'on appelle, qu'on pourra dire en français, les fatalistes. C'est ceux qui disent, tout est déjà écrit, tout ce qu'on fait, c'est Allah qui nous, nous oblige à le faire. On n'a pas de libre arbitre. Donc, si je dois aller en enfer, c'est Allah qui m'a obligé à y aller. Si je dois aller au paradis, c'est Allah qui m'a obligé à y aller. A l'opposé, on a Al-Qadariya qui rejette plus ou moins en partie le destin. Ils disent non. L'homme, il a son libre arbitre. Et certains même, ils ont été, ils ont été dire que Allah ne sait pas ce qu'on va faire. Que à partir du moment où l'acte a été fait rien n'a été écrit il n'y a pas de destin et chaque chose est nouvelle il n'y a pas de prédestiné qu'Allah a écrit dans la table gardée mais chaque chose est nouvelle elle n'a pas d'antécédent c'est à dire c'est comme si c'est lui qui crée son acte donc entre ces deux opposés on a qui les gens de la sunnah ils disent oui, Allah a écrit toutes choses. Le destin est entre les mains d'Allah. On ne peut faire une chose sans qu'Allah ne l'ait permise et ne l'ait voulu. Ça ne fait aucun doute. Mais Allah, en contrepartie, a attribué un libre arbitre à la personne. Et c'est sur ce libre arbitre que les personnes seront jugées le jour du jugement. Et ne jamais poser la question, mais pourquoi Allah nous a donné un libre arbitre et en même temps, il sait qu'il va aller au paradis, qu'il va aller en enfer. Ne pas poser ce genre de questions. On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait ça. Là, amma, yaf'al, On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait ceci, mais par contre, c'est eux qui seront questionnés. Donc, ce qui nous est demandé, mes frères, concernant ce sujet-là, c'est d'agir en conséquence, d'accord? Et si tu agis en conformité, inshallah, tu auras la bonne nouvelle, la bonne annonce du paradis, inshallah. Et tu sauras au final qu'Allah t'avait prescrit le paradis. Et si tu agis en non-conformité, tu agis contrairement à la Sunna du prophète et au livre d'Allah, Sunna du prophète Salam, et que tu es destiné à l'enfer, qu'Allah nous en préserve, alors là tu sauras qu'Allah t'avait prédestiné l'enfer de par les actes que tu auras faits et que tu auras commis, contraire à la législation d'Allah. Donc la voie des gens de la Sunna, c'est une voie de juste milieu. On accepte. Allah il a écrit toute chose, et en même temps, on reconnaît au serviteur, qu'il a un libre arbitre, non, mes frères, pour finir, il y a aussi, la voie de juste milieu, concernant les compagnons, concernant la foi, etc, revenez au livre de, Aqidah, pour apprécier un petit peu, ce qu'on appelle, Al-Wasatiyah, c'est-à-dire, cette voie de juste milieu, sur laquelle cheminent, les gens de la Sunna et du groupe, pour finir, à la fin du chapitre, المؤلف رامن une parole de حافيد que je vais expliquer car elle est très importante. Il يقول الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى يقول فلا تفغرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما امر الرحمن فاستقمي سدد وقارب وابشر واستعن بغدو وبغرواح وادلج قاسدا ودمي فمثل ما خانت الكسلان همته Je vais le traduire, mais je vais préférer l'expliquer. C'est beaucoup mieux, inshallah. Ne sois pas laxiste, ni trop dur, mais sois dans une position intermédiaire. Comme le tout miséricordieux te l'a ordonné, sois sur la droiture, sur la rectitude. Agis en conformité à la sunna, ou rapproche-toi-y, et aie la bonne annonce, et implore l'aide d'Allah de bon matin, ainsi qu'en fin de journée et dans la dernière partie de la nuit. Avec la juste mesure et soit persévérant. La volonté du paresseux le trahit. Aussi longtemps que la personne dont sa monture ne veut plus avancer sera touchée par le découragement. Regardez ce que dit ici. Hafid el Hakami. Il dit. C'est le sujet du cours. C'est le sujet du cours. C'est le laxisme. Ne sois pas laxiste dans tes actes d'adoration. Voilà, c'est l'exagération, c'est l'opposé. Ne sois pas comme ça, ni comme ça. Ne sois pas trop laxiste et ne sois pas trop dur. Mais sois dans une position de juste milieu. Et comme te l'a ordonné le tout miséricordieux, sois sur la rectitude. Ceci nous prouve que la rectitude, la voie droite, c'est la voie de juste milieu. na les frères? Et ceci est un ordre du tout miséricordieux. Saddid, wa qarib, wa abshir, wa wa qasidan, wa Ça, c'est relatif à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam même al-Bukhari, où le prophète a dit, saddid wa et dans la version de l'imam muslim, wa abshiru, naam, wa ghdu wa wa shay'un duljati, wa al kasda al Donc le prophète il a dit, sadidu. <t> sadidu <'en> <t 'en> ça veut dire quoi Ça veut dire agissez en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mina sadad. Agissez en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne pouvez pas le faire, essayez, faites tous vos efforts pour vous y rapprocher. وقاربو. وقاربو. Ça, c'est pas dans la version d'imam al-Bukhari, c'est dans la version d'imam muslim. وقاربو. Et la bonne annonce, ceux qui font cet effort d'être sur la voie du prophète ou de s'y rapprocher selon leur capacité, ils ont la bonne annonce. Mais, mais celui qui est sur la voie juste et qui a touché le juste, qui est vraiment en conformité, celui-là est plus en droit d'être, d'avoir la bonne annonce que celui qui s'en est rapproché seulement. Non? Mais les deux ont la bonne annonce, Inch'Allah. Ça, c'est très important, mes frères. Il dit l'imam el hafid al-Hakami, toujours relativement par rapport au hadith du prophète as Il a dit Wardou el rada c'est le fait, c'est le fait de partir de bon matin, juste après le Fajr. Wardoua, c'est le fait de partir en fin de journée, juste avant le Maghreb. c'est le fait de voyager le dernier tiers de la nuit, ou en fin de nuit. Ici, c'est une allusion aux trois meilleurs moments par lesquels on invoque Allah wa Ta'ala. Le matin, après le Fajr, on fait des invocations du matin, comme le faisait le Prophète. ou Sabah. Lequel d'entre nous fait ou Sabah Régulièrement. Posez-vous la question. Puis, ou al Masa. Qui d'entre nous fait des invocations du soir entre l'Asar et le Maghreb Posez-vous la question. سيوف لن نفت با لن تسددوا ان لم تكنت على ويه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وادرج او شيء من الدلجه كما جاء في الحديث و جزء من الليل ici c'est une allusion à quoi قيام الليل في الثلث الاخير من الليل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه Allah descend dans le dernier tiers de la nuit au ciel le plus bas. Pour quelle raison? Pour invoquer celui qui lui demande. Donc, c'est un moment qui est propice pour les invocations. Nam, et frères. Donc, voilà ce qui est voulu dans ce vers de poème. Sadid wa wa abshir, wa sta'in, c'est-à-dire demander l'aide. Comment? Par, par, la doa. Quand? Bilhudoui, wa birrawahi, wa adlij? Quand? Le matin, le soir et le dernier, une partie de la nuit. Wa qasidan. Et ça, c'est important ici. qasidan. Où le prophète l'a dit. Fa l qasda, l qasda qasda, fi kulli shayin. C'est le fait d'être dans le juste milieu dans toutes choses. Et le prophète, il a dit La modération, la modération, et tu atteindras ton objectif. Al-Qasda, Al-Qasda, Al-Maram, Wal-Maqsoud, wal les frères Ce sont des injonctions prophétiques. Ce sont des ordres prophétiques. Donc il a dit Hafid al Qasidan, Ne va pas dans l'exagération, dans tes actes d'adoration, dans tes invocations, dans toutes choses. Et ne fait pas preuve de laxisme non plus. Wadumi, et sois persévérant dans ça. Sois persévérant dans cette chose-là. Famis til kaslana himmatuhu. El mes frères, c'est qui C'est le paresseux. Le paresseux, sa volonté, il veut faire beaucoup de choses, le paresseux. Quand il est sur sa chaise, il souhaite faire beaucoup de choses. Il veut faire ça, il veut faire ça. Mais dès qu'il est devant le fait accompli, qu'est-ce qui va le trahir C'est sa volonté sa volonté, sa à volonté, va le trahir et à va le laisser tout seul, au dépourvu. N'aam. Il n'a plus aucune volonté dès qu'il est devant l'acte à accomplir. C'est ce que dit ici Hafid al-Hakami. Fa Nouma Khanatil kaslana Madahim himmatuhu. Haalalallah. Donc ça, c'est une sifat. C'est une sifat qui est répréhensible. On ne doit pas faire preuve de feignantise. De nonchalance. Non Fatalama hurima al bis sa'ami. al mes frères, c'est la personne qui était sur sa monture et qui voyage. Et en plein milieu du désert, il n'y a personne avec lui, sa monture, elle ne veut plus avancer. Elle le laisse comme ça, elle ne veut plus avancer. Qu'est-ce qu'il fait Il va essayer de frapper sur le dos de la monture pour essayer qu'elle avance, mais elle ne veut pas avancer. Et au, au final, il va se décourager. La voilà Il dit, Salaf, il disait, cet homme-là qui est dans cette situation. La il ne va plus avancer et traverser les contrées. Il est bloqué, il est, il est, il est bloqué net parce que sa monture ne peut plus avancer. Voilà Et son dos, même le dos de sa monture, il ne l'a pas épargné à force de frapper. n'am les frères. Donc, ici, c'est une allusion. ici, Hafid al-Hakami nous dit il ne faut pas faire preuve de paresse, et ici, il ne faut pas faire preuve aussi de lassitude dans les actes d'adoration. Mais au contraire, il faut juste tehid. Taïb, aqtafi b'hadr al-Qadr, wa sali wa sali ala sali Muhammad, sali wa wa ta'ala an sali wa wa sali wa ja'alana sababan liman ihtada, Allahumma sali wa 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 sali wa 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 اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علما